Fais des petits trucs si tu veux. Blablabla. C'est bon. Elle sert à quoi la clé mystérieuse? Bah tiens, on va la faire, tiens. Va à Waterfall. Aux chutes. Vas-y, j'ai trop la version anglaise dans ma tête. Je vais manger du chocolat alors. Ok, et comment j'y vais? Est-ce qu'il y a le... La barque! Ouais, elle se trouve où? On va où? Je te l'ai dit, aux chutes. Undyne à l'appareil. L'affaire Babyrus, c'était ton idée. Humain! Tu dois livrer quelque chose pour moi. S'il te plaît. Je suis à Couvenel devant chez Papyrus. A tout de suite, microbe! Ok. Donc tu veux aller dans les chutes ou à Couvenel? On va faire les deux. Oh, bien même. Il y aura pas de combat, hein? J'en ai aucune idée. Oh, super. Tu veux pas parler au petit... Super, je vais parler au... Oh! Quand tu m'encourages, je me sens si bienveillant. Arrête, arrête. Voilà. Tralala, tu veux venir faire un tour? Monter à bord de la barque? Oui. Où allons-nous aujourd'hui? Couvenage, les chutes, les chutes. Très bien, c'est parti. Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ah là là, humain, monstre et fleurs. Ok. D'accord, humain, monstre et fleurs. D'accord. Tu nous as beaucoup appris aujourd'hui. Reviens donc une autre fois, tralala. Ok, maintenant on va où? On va chez le voisinage d'Undyne. Enfin, de ce qui reste chez Undyne. Oh, c'est vrai que c'était au feu. Tu veux toujours vérifier si c'est toujours en feu? On va voir. Ah, pauvre poisson. On dirait qu'il pleure. Bon, je vais où maintenant? Bah, tu vas à côté, près de... Tu vas visiter la maison. Bah, va chez la maison d'à côté de ta loupe. Bah, non, tu as plus... Oui, celle-là. Et celle-là, je peux entrer? C'est la ptaboum, quoi. C'est fermé. Ah ouais, attends, je n'ai pas équipé ma clé. Allez, donne mon truc. Objet. Utilisé. On a vu les infos? Je crois, oui. Bon, mais si tu veux. Clé mystérieuse unique. Elle est trop tordue pour la mettre sur votre porte-clé. Quoi? Vous utilisez la clé mystérieuse. La porte de la maison rouge s'ouvre. La clé disparaît. Ok. C'est la maison de qui ça? Tu vas voir. J'ai ma petite idée. Cher journal, la sœur de Timorène a fait une chute récemment. C'est triste, sans sa sœur pour parler à sa place, elle s'isole encore plus qu'avant. Donc je suis allée la voir et je lui ai parlé. Qu'elle, Blooky et moi devrions chanter tous ensemble un de ces jours. Elle avait l'air d'aimer l'idée. Comme ça que je lis. Très cher journal, j'aime acheter un nouveau journal à chaque fois que j'écris. J'adore collectionner les journaux intimes. Très très cher journal, notre cousin est parti pour devenir mannequin d'entraînement. Du coup, il ne reste que Blooky et moi. Blooky m'a demandé si j'allais essayer de me trouver un corps moi aussi. Son air était tellement résigné. Allons, Blooky, tu sais bien que je ne t'abandonnerai jamais. Et puis, je ne trouverai jamais le corps que je veux, de toute manière. Je peux pas passer de l'autre côté. Je peux pas. Waouh, les journaux sont plus forts que ton petit corps. Mon journal, chérie. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui. La semaine dernière, j'avais affiché une pub pour mon club des fans d'humains. Aujourd'hui, c'était notre première réunion. Une seule personne est venue. Franchement, elle est chelou. Elle est folle de dessins animés stupides. C'est pas une Alphys. Mais elle est marrante au fond. J'aimerais la revoir. Journal, mon cher. Ma collection de journaux avance fabuleusement bien. J'en ai genre 5 maintenant.
Cher journal, elle m'a fait une surprise aujourd'hui. Des croqueries préparatoires pour un corps qu'elle veut me fabriquer. Un corps qui dépasse toutes mes fantaisies. Sous cette forme, je pourrai enfin me sentir moi-même. Après tout, je ne peux pas être une star comme je suis maintenant. Désolée, Blooky, mes rêves ne peuvent plus attendre. Ok, c'est Mutaton. Enfin, Mutaton et... Mais quoi? En fait, c'est le fantôme. Ce fantôme, il est entré dans Mutaton, c'est ça? Bah, Mutaton, de base, il était vide. C'est un objet. Ok. Bah, c'est un robot. Oh là là. C'est un robot avec un garçon. Ça, c'est là une grande question dans la communauté. Parce que si c'est une fille, elle agit vraiment. Elle agit plus comme un truc bizarre, je sais pas. Non, mais si c'est une. Un garçon, est-ce qu'on pense... C'est nul, je peux même pas passer. Si c'est une fille, ben c'est une fille. Bon, on fait quoi? Je sais, elle est plus, sa maison est plus jolie que Naftable, qu'on sait. Bon, maintenant, tu peux aller à Coupe-Neige. C'est par là? Non, tu veux aller dans les déchets? Tu veux essayer de trouver les pistolets et tout? Oh, qui sait? Je sais pas. Je te sors cette idée, mais je sais pas. Ah là là, tu veux monter à bord? Où allons-nous aujourd'hui? Très bien, c'est parti. Ah là là, l'eau est terriblement mouillée aujourd'hui. Je m'ennuie trop là. Bah on va voir qu'est-ce qui va se passer là. Reviens donc une autre fois. Ok. Ah là là. Ah, la musique de Coupe-Neige est trop forte d'un seul coup. Vraiment. Je peux pas. C'est pas là, hein. Ouais. Ah, là, il est plus grande que Papyrus. Eh, je peux pas cliquer sur la flèche du bas. Ah si, c'est bon. T'as bugué, oui. Si les gens, ils vont dire quoi? Bah, tu rentres et tu roules. C'est tout, y'a rien. Je pense que là. On est total. Trop... Oh, regarde, y'a une assiette de spaghetti vide. Le caillou est recouvert de vermicelle. On dirait pas un caillou. Pourquoi tu dirais que c'était des spaghettis? On dirait que Nine a une assiette, moi. Oh. Si tu la cherches, elle ne me ressemble pas. Trop dur. Donc, j'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu remettes cette lettre au docteur Alphys. Hein? Pourquoi j'y vais pas moi-même? Eh bien, c'est quelque chose d'assez personnel, mais on est amis, alors je vais te le dire. Calcitaire, ça craint, j'ai pas envie d'aller là-bas, donc voilà. Vous obtenez la lettre de Nain. Oh, et si tu la lis, je te tue. Merci infiniment. Si je la lis, ça fait quoi? Oh mon dieu, la lettre n'est pas pour Papyrus. Ouais, Nain a raison. Pourquoi ne pas m'avoir écrit de lettre? Tu veux une lettre? Pour la peine, t'en auras plusieurs. Abruti. Oh non. Mais pourquoi tu dis ça? En plus, il y a un P en trop. Abruti, mon ami ballot, rigolo et ultra tenace, l'incroyable Papyrus. Waouh. Ouais, l'anacronyme de ouf. Ok, on va calcer terre, c'est ça? Tu veux essayer de... En faux. Lettre Undyne, lettre écrite pour le docteur. Tu veux que je la lise, c'est ça? Non, que tu la lises pas. Et si tu la jetais? Le quoi? La jeter. Tu veux que je la jette? Comme tu veux. Ok, je la jette. On va voir ce que ça fait. Je m'en fiche complètement. Hey, la jette pas comme ça! Contente-toi de la livrer! Ok, et si je la lis ici, ça fait quoi? Je peux pas vraiment me tuer. Mais en plus, tu sais que tu lis devant elle. Oh mon dieu, je vais t'étriper sur place! C'est faux, t'as pas réussi. Tu vas dans une autre salle? Non, là je suis un peu plus loin, donc là est-ce que mais va dans le... Non, parce que t'es toujours sur la même map. Oh, trop nul. Donc elle peut m'entendre là-bas? Ouais. Là, attends. Là, qu'est-ce que si je l'ouvre? Ou là, je la jette? Bah déjà, utilise-la. Si tu veux la dire. Vous essayez d'ouvrir la lettre, mais elle est trop bien fermée. Il vous faudrait une tronçonneuse pour l'ouvrir. Trop nul. Et si je la jette?
En dépit du bon sens, vous vous débarrassez de cette lettre. Ok, et maintenant on va aller revoir pour voir ce qu'on fait. La 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 la. C'est rien passé. De quoi tu as perdu la lettre? Mais punaise, comment, pourquoi? Attends, c'est toi qui as demandé de parler avec elle? J'arrive pas à y croire. Ouais. En temps normal, j'aurais trouvé ça extrêmement décevant, mais pour tout te dire, là, ça m'arrange mieux. En attendant ton retour, j'ai écrit une lettre vachement mieux. Et cette fois, tu ne la perdras pas, je te la garantis. Vous obtenez la lettre d'Endine X. Toujours X. Et attends. Et ça veut vraiment X? Ouais. Ok, et si, attends, si je la jette celle-là et que ça devient quoi? Bah déjà, ne jette pas devant elle, c'est pour commencer. Je pars là, moi. C'est moins loin. Elle va la nommer comment, maintenant? Vous essayez de l'ouvrir, mais elle est trop bien fermée. Ouais, ça change pas, en tout cas. La lettre est bien trop puissante pour être jetée, elle l'emporte sur vous. Ah, ok, il y a un aimant. Ah. Mais où tu vas? Oh, j'ai complètement oublié ce truc. Donc ça, je suis allée 10 fois plus loin que j'avais tout prévu. Ouais. Trop nul. Oui, trop nul. Tu es trop nul. Mais oh. Oh, oh. Je vais aller chez Gribby pour la peine. Je vais me commander quelque chose. Tu peux rien commander avec lui. Ah, mince. J'avais oublié qu'il me servait à rien. Bouh! Tu parles toujours du fait que je peux qu'il peut pas prendre de l'eau. Bouh! Ah là là, tu veux venir à moi? Oui. Oh non, c'est pour ça que je me suis trompée. C'est pas grave, je le reprendrai. Ah là là, j'aurais dû mettre quelques pantalons en plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Ouais, je reviens tout de suite. Oh là là, qu'y a-t-il dans une graine? C'est un grand mystère. Une graine? Oui, une graine. Pourquoi ouais. Graine? J'en ai aucune idée. Oh, graine de thé. Non, en fait, non, je sais pas. Reviens donc une autre fois, tralala. Je sauvegarde? Bah ouais, sauvegarde. Ok. En fait, je vois notre vidéo, on sait même pas combien de temps ça va durer. Est-ce? Je crois que cette vidéo elle va durer longtemps, mais parce qu'on se fait chier tellement. J'espère que ça ne vous dérange pas, les abonnés. La porte n'a pas de feinte pour y insérer la lettre. Faire glisser la lettre par dessous? Non. Vous décidez de la garder au chaud un peu plus longtemps. Et l'histoire n'avancera jamais. La porte n'a pas de feinte pour insérer la lettre. Vous faites glisser la lettre sous la porte et toquez. Oh super. Oh non, encore une lettre! Je ne veux pas l'ouvrir. Je ne veux pas l'ouvrir, pas moyen de la remettre dehors. Non, je ne peux pas continuer comme ça, je vais lire celle-ci. L'ouverture n'est pas facile. Une petite seconde. Elle a utilisé quoi pour l'ouvrir? Une tronçonneuse. Et si c'est une blague, ce n'est... Oh mon dieu! Oh mon dieu, j'ai encore fait des voix bizarres! C'est toi qui as écrit cette lettre? Elle n'était pas signée, donc je ne pouvais pas savoir qui... Oh mon dieu, non, non. C'est adorable! Et j'ignorais totalement que tu écrivais comme ça. C'est étonnant aussi, après toutes les horreurs que j'ai faites. Je ne pense pas qu'on devrait me pardonner. Et encore moins de cette façon. Et si passionnément en plus. Tu sais quoi? Ok, je vais le faire. C'est la moindre des choses à faire pour me racheter auprès de toi. Ouais, sortons ensemble! Bizarre. Début du rendez-vous. Désolé, je suis en train de m'habiller. De quoi j'ai l'air? Mon ami m'a aidé à choisir cette robe. Elle a très bon goût. Bref, on y va?
Début du rendez-vous. Allez, attends. On ne peut toujours pas commencer. On ne peut pas. On ne peut toujours commencer. Quoi ? Pas toujours commencer le rendez-vous comme ça. Il faut d'abord que je te donne des objets pour booster ton affection. Ça augmentera nos chances de réussir ce rendez-vous. Elle se croit réellement dans un jeu. Je crois. Elle se croit dans un jeu vidéo. Tu n'es pas. Quoi qu'il en soit, t'en fais pas. Je suis prête. J'ai amassé une montagne de cadeaux en prévision de ce jour. Tout d'abord, j'ai du cigare pour Amur. C'est quoi, du cirage? Ah, du cirage, putain. Je sais pas lire, toi. J'ai mal à la gorge, voilà. Cigare. Ça risque d'être légèrement inutile. Mais j'ai aussi amené de la crème waterproof pour tes écailles. Ouf. Que dirais-tu de ce kit de réparation de lance magique que j'ai? Tu sais quoi, on va faire l'impasse sur les objets. On n'a qu'à simplement débuter ce rendez-vous. Début du rendez-vous. Ouais. Ayons ce rendez-vous. On fait quoi maintenant? J'en ai aucune idée. La dernière fois, c'était Papyrus qui menait la danse. Est-ce que tu aimes les animes? Oui. Hé, hey, moi aussi. Et si on allait ailleurs? Mais quel endroit conviendrait pour un rendez-vous? J'ai trouvé. Allons à la décharge. Ah, son endroit préféré après... Son labo? Ouais. Ah, nous y voilà. Je viens tout le temps ici avec Undyne. On trouve des tonnes de trucs géniaux dans le coin. Et l'écouteur est autour de ta main. Et elle est vraiment... Vraiment... Pardon. J'ai mangé trop de chocolat. Oh non! C'est elle là-bas! Il ne faut pas qu'elle nous voit ensemble! Pourquoi? Parce que... oh non! Elle arrive! Te voilà. Je viens de réaliser que te faire livrer ce truc, c'était vraiment peut-être une mauvaise idée. Donc je vais m'en charger. File-moi ça. Ah, tu l'as plus. Est-ce que tu l'as vu au moins? Ouais. C'est de la vérité ou un mensonge? Comme tu veux. T'as pas un dé? Non, j'ai pas de dé là. Ok. Si je sais ça, je sais pas. Tu me dis stop, tu me dis stop. Je... Non. Mais elle n'est pas chez elle. Mais où est-elle? Où elle est? Bon sang. Putain, l'émotion était là. Oh mon dieu. Bon, j'imagine que tu as deviné, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Et on te l'a deviné depuis le quiz, là. Enfin, encore plus que les autres. Désolée. Je me disais que, tu vois, ça aurait été drôle d'avoir comme une sorte de faux rendez-vous avec toi pour te remonter le moral. Ah, ça sonne encore pire dit comme ça. Pardon, j'ai encore tout fichu en l'air. Undyne est celle avec qui je veux vraiment un rendez-vous. Mais je veux dire, elle est trop bien pour moi. C'est pas que tu ne sois pas cool. Oui, c'est vrai, on a une tête blasée comme ça, c'est vrai. Mais Undyne, elle a confiance en elle. Elle est forte et drôle. Et moi, je ne suis qu'une minable. Une moins que rien. Je suis la scientifique royale, mais... Quoi que je fasse, je finis toujours par blesser les autres. Je lui ai tellement menti. Elle doit me croire. Elle doit me croire beaucoup plus cool que je ne le suis. Si jamais on devient trop proche, elle et moi, elle va découvrir le pot rose. Poteau rose. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Oh là là, t'as une amie. Complètement. C'est quoi ça? Toi, t'auras de vraies bonnes amies, toi. Je me demande ok, aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Perso, si tu veux vraiment être quelqu'un, faut vraiment que tu sois honnête. Faut pas qu'elle t'apprécie pour ton image, tu vois. Ce serait bizarre quand même. Il faut qu'elle t'aime pour toi. Être honnête? Mais si je fais ça, elle va me haïr. Il vaudrait mieux rester comme ça, non?
Vivre un mensonge, tout le monde est heureux. Ou tout le monde est heureux, plutôt qu'une réalité où personne ne l'est. Ils disent « Sois toi-même », mais je n'aime pas vraiment le vrai moi. Je préfère encore faire ce qu'il faut pour plaire aux gens. Non, tu as raison. Chaque jour, j'ai peur. Peur de ce qui arrivera si les gens découvrent la vérité d'eux-mêmes. Ils souffriront tous par ma faute. Mais comment annoncer la vérité à Untain? J'en ai pas le courage. Je vais tout gâcher. Il faut que je m'entraîne. Si on roleplayait. Allez, on le replay. Ah là là, et moi, je voulais faire un roleplay dernièrement. Oui. Et si on le roleplayait? Ouais, roleplay. Allez, on le replay. Roleplay. Roleplay. Ça, je sais quoi, c'est la même chose. C'est quoi? Et si on le replayait, on est dans son ami. Et là, quand on fait. En fait, là, dans les fils, on va le faire. Ah, c'est un peu bizarre. Bah, choisis, tu préfères poser une question ou tu préfères te donner un ordre? Choisis. Du roleplay? Ça a l'air plutôt drôle. Ok, qui va faire Undyne? Je serai Undyne. Oh, oui, évidemment. Salut Undyne, comment vas-tu? Bien. Ah, ah, heureuse de te l'entendre. J'aimerais te parler de quelque chose. Qui a-t-il un fils? Pourquoi tu fais pas là? C'est du roleplay, moi je fais roleplay Alphys. Bah, moi je suis Alphys et toi t'es Undyne parce que c'est. Ok, ton... c'est bon, j'ai compris. Tu vois, je n'ai pas été très honnête avec toi. Tu vois, Et Undyne, je veux t'avouer mes sentiments. Tu es si brave, tu es si forte et si gentille. Tu m'étonnes toujours quand je parle des trucs compliqués. Tu fais toujours de ton mieux pour me donner l'impression d'être spécial. Comme quand tu me dis que tu défonces quiconque me fait des misères. Undyne, j'en peux plus, je suis folle amoureuse de toi. Serre-moi fort, Undyne, serre-moi fort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oh, finalement, j'ai pas fait ton roleplay, moi. Oh là là, toi et ton roleplay, on le fera un jour, notre roleplay, tranquillement entre nous, bien sûr. Undyne, j'étais juste en train de... Et là, oh, attends une seconde. Ta robe est super jolie. C'est pour quelle occasion? Attends une seconde. Vous seriez pas en plein rendez-vous tous les deux? On était juste en train de faire un roleplay romantique de toi. Quoi? Undyne, je t'ai menti durant tout ce temps. Quoi? À propos de quoi? À propos de tout! Je t'ai dit que les algues avaient une grande je sais pas quoi, mais en fait je m'en sers juste pour faire des glaces. Et tous ces livres d'histoire humaine que je t'ai ne sont pas vrais, ce ne sont que des BD. Et quand au film historique, ce ne sont que des animes. Ils n'existent pas. Et toutes les fois où je t'ai dit que j'étais overbookée au téléphone, j'étais juste en train de déguster du je sais pas quoi en pyjama. Alphys. Mais qu'est-ce que tu fais encore? C'est toi qui m'as fait quitter le truc. Alphys, je voulais juste t'impressionner. Je voulais que tu me trouves cool et intelligente. Et que tu me vois comme une intellopomée. Alphys. Undyne, je te trouve vraiment cool, tu vois. Alphys. Il l'a mis dans la poubelle. Alphys, je te trouve plutôt cool moi aussi dans l'ensemble. Mais ouvre donc les yeux. Tout ce que tu viens de me dire n'a aucune importance pour moi. Je me fiche que tu regardes des dessins animés ou lises des livres d'histoire. Pour moi, tout ça revient au même. C'est juste des trucs d'intello. C'est encore sorti. C'est ce que j'aime en toi. C'est que tu es passionné, tu t'investis. Peu importe ce que... C'est, tu y vas à fond, à 100%, à pleine puissance. Alors pas la peine de me mentir. Tu n'as plus à mentir à qui que ce soit désormais. Alphys, je veux t'aider à être heureuse avec toi-même. Et je connais un entraînement parfait pour tout ça. Undyne, tu vas m'entraîner? De qui, moi? Non, je vais demander à Paveris de s'en charger. On se bouge les os! Allez, 100 tours de piste en criant bien fort, on gère trop! Prête?
J'ai le doigt sur le chronomètre. Undyne, je vais faire de mon mieux. Oh mon dieu! Elle me faisait marcher, hein! Ces dessins animés, ces BD, ils existent pas vrai. Ces animés sont tous en vrai et vrai, hein! Bah non, je t'ai dit la vérité la dernière fois. Tu me l'as dit à briser ou. Avoue que toi, tu aimerais que les animés existent. Ouais, ce serait le rêve. Mais tu veux lui dire la vérité ou tu veux lui mentir? Non! Non! Mon cœur vient d'être réduit en pièces! Non, je vais m'en sortir. Je dois être forte pour Alphys! Je te remercie, Mind, pour m'avoir dit la vérité. J'essayerai au mieux de m'adapter à ce monde. On se revoit plus tard. Bah, ça change rien à ton quotidien, perso. Ah, on a quitté la décharge pour y revenir. Ça. On fait quoi maintenant? Je sais pas, j'ai envie de faire une vidéo longue là, comme ça. Peut-être qu'on peut en deux. Ouais. J'en ai aucune idée. Ah, si je pouvais en faire un live, quoi. Bring. Coucou! Mais qui voilà, si c'est pas mon fidèle ami l'humain? Il s'est pas perdu, c'est ton ami qui t'aime aussi. Alphys et moi avons fini le jogging en avance, très en avance. Donc je lui ai dit de retourner chez elle. Très chez elle. Et maintenant, la forte impression. La forte inexplicable impression que tu devrais aller là-bas. À son labo, maison. Cela ne peut pas bien se passer. Je sais pas quoi. Au revoir! Tu lis trop. J'ai trop mal à la gorge. On va voir Calcitern. 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 Ah là là, tu veux monter à bord? Où allons-nous aujourd'hui? Très bien, c'est parti. Calcitern. Calcitern, c'est de l'autre côté. Ah là là, trilili, trilili. Bouh! Mais t'as rien à dire aujourd'hui! Oh, remboursé! Oui! Remboursé! Et je parais que je suis tellement loin du micro qu'on m'entend pas. Après, c'est toi qui décides de t'arrêter ou pas. Tu veux pas sauvegarder? Merci. Pour pas faire des allers-retours pour rien? On a vachement avancé depuis. Oh, c'est des nuits instantanées là. Oh, ils ne tombent pas, c'est nul. Bon. Une note. Le lire. L'écrit rend la lecture difficile à déchiffrer si vous essayez au mieux. Hey, merci de votre aide pour tout à l'heure. Vous tous, votre soutien compte énormément pour moi. Mais, et ça me coûte de le dire, vous ne pouvez pas faire disparaître tous mes problèmes comme par magie. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Je veux m'affranchir de mes peurs et pour ça, je dois être capable de faire face à mes erreurs. Je vais commencer dès maintenant. Que cela soit clair, ce problème est le mien et le mien uniquement. Mais si jamais je disparais pour ne jamais revenir, si jamais vous voulez connaître la vérité, entrez par la porte d'en haut. Vous avez au moins le droit de savoir ce que j'ai fait. Et c'est tout. Ce panneau indique les toilettes. Ah mais j'avais jamais remarqué. C'est les toilettes, hein. J'ai jamais remarqué que c'était Alphys. Moi j'avais remarqué. Danger, danger! Ascenseur en perte de puissance. Stabilité du câble en perdu. Il y a eu une faute là, en perdu. Perte d'altitude. Avec un M en perdu. Déjà, j'arrive même pas à comprendre si c'est français ou pas. Avec mon peu de vocabulaire, voilà. On est quelque part de très très sombre. Entrée numéro 1. Nous y voilà. Il est temps de suivre les ordres que le roi m'a donnés. Je vais mettre au point quelque chose qui nous sortira tous d'ici. Je vais laisser libre cours au pouvoir de l'âme. Entrée numéro 2. La barrière est maintenant fermée par le pouvoir des armes. Yann. Malheureusement, il est impossible de recréer ce pouvoir artificiellement. Il doit être extrait d'organismes vivants. Alors pour en obtenir, il va falloir faire avec la seule chose que l'on ait fait ici, les âmes des monstres. Entrée numéro 3.
Mais extraire l'âme d'un monstre en vie nécessiterait énormément d'énergie. En plus d'être irréalisable, ce procédé détruira immédiatement l'hôte de l'âme. Et contrairement à l'âme persistante des humains, la majorité des âmes de monstres disparaissent à l'instant même du décès. Si seulement je trouvais le moyen de faire perdurer les âmes de monstres. Entrée numéro 5. Je l'ai fait. En suivant les schémas, je l'ai extraite des âmes humaines. Je pense que c'est ce qui donne à leur âme la force de persister par-delà la mort. Ce désir de vivre, cette résolution à changer le destin. Je vais appeler cette force la détermination. 1, 2, 3, 4. Oui, il y a bien les 5. 1, 2, 3, 4. Et il est où le 4? Lui, c'est le 3. Eh, le 4. Ah! Il n'y a pas le 4. Bon, bah, on va essayer de le trouver un jour. Je vous disais que ça clochait quelque part. Ah, j'avais pas fait attention, moi. Tu veux t'arrêter là ou... Bon, je pense qu'on va bientôt dîner, donc on va s'arrêter pour l'un ou l'autre. Donc j'espère que ce monde plein de mystères t'intéresse de plus en plus, très cher Malina. Il y en a que 4! Et en plus, il n'y avait pas le 4! Bah, on essaiera de le trouver, d'accord? Allez, salut les gens. À plus. On se retrouve pour encore du Undertale. Et non, pour penser que c'était fini. Bah, ce n'est pas fini et je vais tomber mon micro. Il y en a que 4!